Yo les gars, comment ça va? Ceux qui n'étaient pas là hier, on a eu pas mal de chance sur les packs qu'on a ouvert hier. On a eu notre première icône, même si c'est une des icônes les moins bonnes. Et on a eu Coutinho Footballs. Vous avez packé vous un petit peu ou pas? Ouais, ça part vraiment pas vite, donc on peut prendre le temps. On va en ouvrir un petit, tranquillement. On va faire une petite anime pour commencer, ce serait cool. Ouais, ça commence par une anime, ça commence mieux qu'hier. Hein. Ce sera pas un Foot Birthday, pas une icône. Brésil. Ah, c'est qui? Thiago Silva? Ouais, Thiago Silva, 88, ça va. C'est mieux que les plus petites années. Ça commence plutôt bien. On commence tranquillement. Ça peut peut-être cacher aussi quelque chose. La Casette, 85. Ouais, non, ça cache pas grand-chose, mais au moins 30K, non? Ouais, peut-être un peu plus de 30K même. C'est pas mal. Pour commencer, c'est un début tranquille. Ça va être l'anime là. Pas d'anime. Est-ce que la soirée va être dégueulasse comparée à celle d'hier? Après, hier ça a très mal commencé aussi. En vrai. Je crois qu'on avait fait sur 5 packs à 104 sans rien avoir et après tout est tombé là. Allez, on en rouvre un petit. En vrai, ça part vraiment pas vite. Hein. Il y a plus beaucoup de gens qui packent. Pas d'anime, putain. On va attendre les 125K. Hein. Oh, un boost quand même. On va avoir le... Ah non, j'allais dire le BU à 75. Là. Ah, là, on a Gürtner. C'est pas ouf. Hein. Mais Bertolos, je lui ai organisé par Pena. Bah ouais, c'était sur la scène de l'Olympia. Donc j'avoue que jouer à FIFA sur la scène de l'Olympia, c'est ouf. Mais ouais, clairement, c'était un des meilleurs tournois auxquels j'ai participé. En plus, vu que je l'ai gagné, c'est encore mieux, tu vois. Quand tu gagnes un tournoi, tu kiffes encore plus, clairement. Mais j'avoue que c'était... Après, les conditions de jeu et tout, tu vois, c'était pas ouf, parce que c'était du BO1 et tout. Hein. Mais genre, on va dire, jouer sur la scène de l'Olympia, c'est trop stylé. Allez, on est parti, les gars. Il y en a 20 000. Des packs à 125 000, quoi. C'est ce qu'on attendait. C'est nickel. Allez, le plus d'animes possible. Au moins une carte Foot Birthday ou même une icône comme hier, ce serait incroyable. Ça commence plutôt mal. C'est quoi, ça? Man of the Match? Jiménez. Man of the Match, c'est la première fois que j'ai un Man of the Match, je crois, cette année. Donc vas-y, on prend, hein, pas de soucis. Allez, j'avais la carte, elle me paraissait bizarre. Elle était même pas orange, on dirait, elle était marron, je sais pas. C'était chelou. Bon, bah en vrai, ça va. C'est déjà une première carte spéciale. Une carte qu'on a jamais eue, donc c'est toujours cool. Man of the Match. Allez, deuxième. Anime, let's go. Oh! Je sais pas qui c'est qu'il y a. Promesse. C'est Promesse. Let's go, Promesse, putain. Oh, et c'est ouf la chatte qu'on a sur ces cartes-là. Oh, elle me fait tellement kiffer l'anime en rose à chaque fois. Oh, on a Varane. Il coûte cher, Varane, en plus. Oh, hein? Attendez. Depuis quand Varane, il vaut 40 000, là? J'ai raté un épisode, là, sur FUT. Je pensais qu'il valait genre 90 000. 40 000, Varane, mais faut acheter le tous, les gars, en vrai. Achetez-le tous, Varane. Comment ça, Varane, 40 000? C'est ouf. Meilleur DC régulier du jeu, 40 000. Meilleur que certaines icônes et tout. Mais... Par contre, Quincy Promesse, ça met très bien. Bon, c'est un putain de pack. Hein. Varane plus lui. On est à peu près sur du 180 000. Apparemment, je vais regarder le moins cher. On va le mettre à ce prix-là. Let's go. Allez, s'il vous plaît. Unanime. Allez, rose. Non, c'est un régulier. Allez, un gros régulier, s'il vous plaît. Ozil. Non. Hein? Ah, Royce! Oh, c'est pas dégueu, Royce! Ouais, mais non, en vrai, on s'enflamme. Mais en vrai, les réculars, ils valent plus rien. Quand je vois qu'un Varane, ça vaut 40K. Oh, c'est la première fois que je pack Royce. Je pensais qu'il était. Sa carte de base était MG. AG, quoi. Quand elle est dans la 50 000, ouais. Il n'y a plus rien qui vaut. En fait, tu peux. En fait, une anime, c'est devenu de la merde. Quoi. Si t'as pas une carte spéciale, c'est devenu nul, en vrai. Parce que. Ouais, par contre, si tu pars qu'un CR7, hein, clairement, CR7 Messi, ça va, mais. Y'a plus rien qui va. Hein. Allez, on continue. Une autre anime, s'il vous plaît. On a eu un Foot Birthday, Royce, et. C'est qui l'autre anime, quand même? Je sais plus. Thiago Silva, je crois. Encore un régular, allez. Un gros, s'il vous plaît. Brésil. Firmino. Ouais, Firmino. Ça, c'est pas fou du tout. Ça, c'est les plus petites. C'est bien au début du jeu, mais là, sur un dernier, c'est les plus petites anime. Ça vaut 15K. On a pu casser pour un pack. Hein. C'est pas la folie là ce qui se passe. Allez. Une anime.
ça sera un régular encore une fois. Allez, un gros, gros, gros. Français, c'est pas mal. Ah ouais, non, faut pas garder un... Faut pas Hugo, faut pas Hugo, faut... Mbappé, c'est pas possible, parce qu'il est déjà boost. Faut genre... Même Griezmann, il est déjà... En fait, ils sont tous boost, les Français forts. Non, Pogba, faudrait faire les Pogba, là. Allez, on a un petit dernier à ouvrir. On espère au moins une anime pour espérer quelque chose sur le dernier. On s'arrêtera là pour ce soir. En plus, Fitburzer, ouais. Non, non, pas, on peut pas finir sur une anime. C'est dégueulasse. Fitburzer, ça dure 10 jours, en vrai, donc... on pourra se refaire un jour, par exemple, pour Pâques, tu vois, là, le week-end prochain ou la semaine prochaine, je sais pas. Pas mettre 1000 euros quand même, c'est pour ça surtout que j'ai pas l'air d'avoir vraiment de chance aujourd'hui. Ouais, bah c'est pas qu'on aura été dégueu pour finir. On n'aura pas qu'un fit birthday quand même. Pas le plus cher, mais en vrai, on va packer quelque chose au moins. I've been going through some shit that's getting real now.